Un parfum de guerre froide plane sur la scène internationale. La Russie va-t-elle envahir l'Ukraine? Et que fera Washington avec ses troupes massées dans la région? Vladimir Poutine et Joe Biden détiennent les clés de ce suspense. Et pendant que le balai diplomatique s'active au nom de la paix, la désinformation fait aussi partie de l'arsenal des acteurs en présence. Et c'est là où on s'y perd, où la confusion s'installe. Tamara Alteresco, bonjour. Bonjour, Alexis. Tu nous parles depuis Moscou, un point d'observation privilégié pour analyser ce conflit qui génère de plus en plus de tensions, du jamais vu depuis la guerre froide, en fait. Et vu d'ici, avec la médiatisation qu'on en fait de ce conflit, on a l'impression que la Russie est l'acteur le plus actif sur le front de la désinformation. Alors, quelle est ta perspective là-dessus? Que si c'était un concours, ça serait ex-aequo en ce moment. En tout cas, une course assez serrée. De là où je suis, comme vous l'avez dit, de ma fenêtre à Moscou, c'est une évidence. On a affaire à une surenchère médiatique qui est nourrie par des sources parfois officielles, parfois non officielles. C'est vrai que si on veut se fier aux faits seulement, on vit des moments hyper tendus et franchement inédits. Regardons les faits. Les faits sont les faits, ils sont incontestables. Il y a en ce moment 130 000 soldats russes près des frontières de l'Ukraine, que ce soit du côté russe ou du Bélarus. Ils sont armés jusqu'aux dents et on a le droit et on a raison d'avoir peur de leur intention. Je pense qu'on serait naïf de ne pas réagir et de ne pas se questionner et d'y voir une simple ruse du Kremlin. Mais au fil des semaines, on a, j'allais dire un peu perdu, mais presque complètement perdu le fil de la vérité, parce qu'on ne la connaît pas. C'est ça qui est exceptionnel en ce moment. Et cette notion selon laquelle une attaque est imminente, on l'entend depuis Noël du côté des États-Unis, cette possibilité que l'armée de Vladimir Poutine marche même jusqu'à Kiev, ça vient d'où? Bien, c'est sûr que ça vient sûrement de scénarios qui ont été élaborés de façon très sérieuse par le Pentagone. C'est leur job au Pentagone d'envisager ce type de scénario. Mais on en a fait depuis quelques mois le narratif officiel des États-Unis. Je dis aux États-Unis parce que c'est moins le cas en Europe, ces scénarios catastrophes. On a un président Biden qui est passé en moins d'un mois à dire « l'attaque, c'est demain matin. Ah non, finalement, c'est peut-être plus tard quand le sol sera gelé. » En fait, le sol est gelé depuis déjà quelques semaines. C'est la première fois, Alexis, que je suis en Russie, que je constate que le jeu de la désinformation envahit le discours autant un côté comme de l'autre, donc Moscou et Washington. Mais Tamara, quand même, il n'y a pas de mystère sur le fait que les médias russes, règle générale, sont alignés sur la position officielle du Kremlin. Qu'en pensent les Russes de tout ça, les citoyens que tu as rencontrés au fil de tes reportages? Comment ils arrivent à faire la part des choses? Il y a un attachement viscéral en Russie chez le Russe moyen pour l'Ukraine. J'ai jamais, moi, rencontré une personne sur le terrain, dans la crise actuelle ou même avant, qui en veut aux Ukrainiens, qui ne leur souhaitent pas la paix. Луганская народная республика не собирается воевать и ни на кого нападать. Мы строим свою мирную жизнь. Российские? Ну вы что? Девушка, не верьте никому. Я их не вижу, не слышу. Нет никаких здесь войск. Так что это то, что вот Запад нам рассказывает, это все ля-ля-ля. Mais ce conflit sert aux médias du Kremlin un prétexte pour démoniser l'Occident, comme il l'a toujours fait, mais le faire encore plus. Il y a des émissions cultes ici, hein, des shows d'affaires publiques, des grands rendez-vous télévisuels, entre autres le dimanche soir, qui servent exactement à ça, de planter la ligne officielle du Kremlin dans la tête des gens, sans aucune nuance. On ouvre l'émission, comme la semaine dernière, avec des éditoriaux en disant « l'OTAN se sert de l'Ukraine pour nous diviser de nos frères ukrainiens. Vous comprenez pourquoi il faut s'en méfier, pourquoi la Russie est en danger, pourquoi on a des troupes à la frontière, et ainsi de suite. » В Евросоюзе сейчас все, что связано с Россией, вызывает истерику и неадекватную реакцию. Будь то ситуация на Украине или переговоры по гарантиям безопасности в Европе. Et parallèlement, ben, on a des opérations assez ciblées sur les médias sociaux, des sites Internet, des comptes qui répandent aussi des rumeurs, comme ça s'est fait du côté de Washington, selon lesquelles les Américains préparent eux aussi des provocations spécifiques, même des attaques chimiques. J'ai vu ça. C'est fou ce qu'on peut lire en ce moment.
Et de la même façon que beaucoup de gens en Amérique du Nord sont convaincus aujourd'hui que la Russie veut attaquer l'Ukraine, en fait, je ne suis pas en Amérique du Nord, mais il doit avoir un effet auprès de la population, bien, les Russes ici pensent qu'il est nécessaire de répliquer à l'OTAN. Et toi, Tamara, dans tout ça, en tant que journaliste, comment tu arrives à parvenir aux faits bruts, à faire abstraction des spins à gauche, à droite qui te proviennent des deux côtés de la médaille? Ben, j'y arrive pas toujours, c'est la vérité. Puis je pense qu'il faut être honnête. Comme journaliste, on se dit tout le temps, ben, plus on lit, plus on se renseigne, plus on développe un regard éclairé et un sens critique. Mais il faut être très, très, très prudent en ce moment. Moi, mon rôle en Russie, on s'entend, je ne suis pas une média russe. Je ne suis pas là pour faire des enquêtes et déterrer la vérité sur certains dossiers, mais surtout de vérifier l'humeur et de contre-vérifier les affirmations et ne pas les tenir pour acquis. Mais c'est presque impossible de le faire en Russie. J'ai le devoir en ce moment, spécifiquement depuis quelques semaines, de faire un ménage, puis pardonnez-moi l'expression, dans un bordel d'informations. C'est vraiment ça, à ne pas endormir la nuit. Vous savez, tout le monde et son chien, c'est une expression en anglais, « everyone and their dog », prétend savoir ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Combien d'articles j'ai lus où on dit « what Putin wants », je veux dire, la vérité, c'est qu'on ne le sait pas. Et je pense que comme journaliste, on n'aime pas ça, mais il faut être capable de répondre « on ne le sait pas ». Et de partir à partir de là, de travailler dans le contexte d'un tête-à-tête militarisé comme ça entre l'Occident et la Russie, de comprendre et d'expliquer aux gens quels sont les intérêts de chaque partie, parce que ça joue beaucoup et ça motive beaucoup les actions militaires qu'on voit en ce moment, et d'aller sur le terrain. Je veux dire, on a une équipe en ce moment, Radio-Canada a réussi à pénétrer à Donetsk, qui est un territoire séparatiste pro-russe extrêmement fermé. Parler aux gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent se joindre à la Russie? Est-ce que leur territoire pourrait servir de base pour envahir la Russie? Bref, d'aller vérifier ce qu'on pense savoir, parce qu'il n'y a rien comme le terrain, il n'y a rien comme le vrai monde. Ça a l'air assez banal à dire, mais c'est toujours le cas. Ça ne fait pas des reportages, ça ne fait pas des Pulitzers. Mais disons que ça fait des reportages qui informent et qui donnent aux Canadiens, dans mon cas, le portrait le plus honnête possible de la situation en ce moment, qui est très complexe, vraiment. Oui, très complexe en effet, mais la beauté à travers tout ça, Tamara, c'est que tu arrives toujours à nous expliquer avec brio ce qui se passe là-bas, malgré la complexité des dossiers. Merci encore pour ce passage au décrypteur.